Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la discipline de reining. Donc, c'est la première partie des cours SSO. Avant toute chose, je vais vous parler en globalité de l'équitation western. Donc, l'équitation western était d'abord une équitation de travail pour les cow-boys au ranch avec le bétail. Elle s'est ensuite développée en équitation de loisirs puis de compétition. Nous pouvons d'ailleurs apercevoir aux Jeux équestres mondiaux le reining. Et le reining, c'est la discipline aujourd'hui qui nous concerne. Donc, le reining, c'est le dressage du western. En gros, elle exige un cheval à l'écoute, etc. Le cavalier, quant à lui, doit exécuter sa reprise à une seule main, avec les rênes lâches, sans tension continue sur le mors. Le cheval doit effectuer les mouvements avec une facilité et une fluidité constante. Toute allure rompue ou figure avec du changement de la variation d'allure sans que ce soit demandé peut être pénalisée. Je vais donc vous parler des figures qui sont exécutables sur SSO, parce qu'il y en a certaines qui ne peuvent pas être effectuées, notamment le changement de pied, qui doit être effectué à un endroit précis sans changement d'allure, l'hésitation, qui elle est l'hésitation complète du cheval. Une hésitation doit être réalisée à la fin de chaque pattern parcours. Donc un pattern, c'est une figure. On peut aussi appeler l'hésitation la pause. C'est-à-dire que dans le reining, si je enchaîne un changement de pied, un reculé, un cercle, un rollback, entre chaque figure, je dois avoir un reculé, une hésitation. Changement de pied, hésitation. Reculé, hésitation. Cercle, hésitation. Rollback, hésitation. L'hésitation peut être également appelée la pause. Sur SSO, pour effectuer la pause, je vous suggère de faire un arrêt de 3 secondes afin que le juge comprenne que votre figure est terminée. Nous allons donc désormais expliquer en globalité les critères de notation. Une notation, c'est par rapport au cavalier, son emploi des aides, son efficacité, mais avec des aides très discrètes et sans demande constante. Le cheval, quant à lui, doit rester calme avec la bonne attitude et garder une fluidité constante dans son allure et son exécution des figures. Allez, on passe désormais de suite à la présentation des figures exécutables sur Star Stable. Comme première figure, nous avons le reculé. Le reculé doit être effectué en ligne droite sur 3 mètres. Donc sur 3 mètres, c'est un peu difficile sur SSO. Le cheval doit garder une rectitude constante. Il ne doit pas vriller comme ça ou comme ça. Le reculé est vraiment en ligne droite. Je vous remontre donc cela une seconde fois. Hop là. Et si j'étais en concours, vous voyez, je devrais rester mobile 3 secondes après cette figure. Comme dans le dressage, nous pouvons trouver le 8 de chiffre qui consiste à effectuer une volte à droite et à gauche ou un cercle. Donc là, je fais ma volte à droite en gardant bien le galop. Puis je fais ma volte à gauche. Voilà pour le 8 de chiffre. Ça, c'est un peu comme dans le dressage classique, pas de changement. Nous avons le spin qui consiste à effectuer une rotation à 360 degrés sur les postérieurs, comme ceci. Donc pour SSO, c'est facile. Hein. Après un spin, pensez à vous remettre bien droit pour faire votre pose. Et on reprend, je vous remontre un spin. Vous allez pouvoir voir, ouais, le cheval est un peu décalé. Enfin, là, non, mais tout à l'heure, il l'était. Donc s'il est décalé, pensez à vous remettre bien droit. Nous avons l'arrêt glissé, plus communément appelé le sliding stop, donc que je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, le cheval s'affaisse vraiment sur ses postérieurs. Je vous remontre une seconde fois. Lors de l'arrêt glissé, le cavalier doit monter légèrement ses mains afin juste d'effectuer une légère tension, mais pas en continu sur le mors. Les chevaux de western sont très sensibles. Ils sont d'ailleurs souvent utilisés à monter avec des mors qu'on peut appeler les tandems. C'est des grands mors avec des longues branches dans la bouche du cheval, un pas court avec le hackamore, et du coup qui a un effet abaisseur. Donc c'est assez pratique, mais quand on monte avec ces mors-là, donc les cavaliers de western savent très bien l'utiliser, parce qu'ils ont les rênes relativement toujours lâches, mais en compétition classique, c'est un mors à utiliser avec précaution. Nous avons aussi le rollback, qui consiste à, en ligne droite, au grand galop, effectuer un arrêt, un demi-tour et repartir en galop en ligne droite dans la direction opposée. Je vais donc vous montrer. Ici, à question, on fera un arrêt glissé, soit un sliding stop. Sliding stop. Je fais la moitié d'un pivot. Normalement, dans les concours de western, c'est beaucoup plus rapide. Et je repars, vous voyez, au grand galop en ligne droite. À la fin, du coup, quand je suis repartie en ligne droite, je ne suis pas obligée de faire un arrêt glissé. C'était juste pour vous montrer. Donc c'est un aller-retour en ligne droite au galop avec un demi-tour sur les postérieurs. Si les chevaux s'arrêtent dans la direction opposée, on pourrait le faire en spin, mais comme ils restent dans la même direction, on ne peut pas. Je vous suggère donc de faire une moitié de pivot après votre arrêt glissé, ce qui sera plus simple pour vous. Comme figure, nous avons également le cercle.
Le cercle consiste à réaliser deux cercles au grand galop et un cercle plus petit au petit galop. La transition dans l'allure doit être nette. Il ne faut pas mettre 10 secondes à passer du grand galop au petit galop, ce qui teste effectivement la réactivité du cheval à la demande de son cavalier. Je vais donc vous montrer. Donc là, je vais partir sur mon premier grand cercle au grand galop. Je vais en faire un second. Et prochain coup, quand je passerai devant la barrière, je devrai effectuer une transition nette au petit galop comme ceci pour refaire mon troisième cercle. Et voilà. Vous voyez, la différence a été très nette. Si par exemple on faisait comme ça, je vais juste en faire un pour vous montrer. Je repasse la barrière, vous voyez, je repasse trop lentement comme ça, puis comme ça, ce n'est pas bon. La transition doit vraiment être nette entre les deux galops. Le petit galop peut être aussi appelé le canter. Donc si vous voyez un terme, un genre canter, ou quand même vous dit le canter c'est le petit galop. Donc avant de vous parler de la tenue, je vous rappelle donc que vous devez exécuter une pause qui peut être aussi appelée soit l'hésitation, soit un pattern qui est vraiment un arrêt entre chaque figure. Sur SSO, je vous resuggère de le faire de 3 secondes. Je vais vous parler maintenant de l'équipement. Pour l'équipement du cheval, on retrouvera une selle western, comme ceci, un filet équipé d'un snaff-bit mort simple ou d'une bride, donc mort à branche, soit le tandem, de guêtres ou de bandes de polo pour le protéger. C'est très important parce que dans les arrêts glissés, par exemple, vous pourrez voir que les postérieurs du cheval sont très proches des antérieurs et ils pourraient se toucher et se blesser au niveau du pâturon. Pour le cavalier, c'est une chemise manche longue et fermée comme ceci. Un chapeau est obligatoire, sauf pour les enfants, c'est une bombe. Un jean plus élégant ou les chaps. Et des bottes et éperons. Donc les bottes, souvent, c'est plutôt des bottines pour les cavaliers de western. Pour clôturer, je vais vous parler de quelques dates importantes. En 1940, la création de l'AQHA, donc American Quarter Horse Association, par Robert M. Denhard, donc désolé pour mon accent anglais, hein, je ne sais pas accent anglais. 1950, l'AQHA crée les premières compétitions officielles de reining. 1954, le reining est divisé en deux classes, Hackamore et Bit, donc Bit pour Bitless. De nouveaux patterns sont ajoutés, le rulebook, livre répertoriant l'ensemble des règles de la discipline, est rédigé. En 1998, l'USET, United States Equestrian Team, reconnaît officiellement la discipline. 2000, autour de la FEI, donc la Fédération Équestre Internationale, reconnaît officiellement la discipline du reining. 2002, le reining fait en partie du programme des Jeux équestres mondiaux, comme je vous l'ai dit précédemment. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder des reprises sur YouTube. Vous tapez reining Jeux équestres mondiaux et vous trouverez pas mal de vidéos qui peuvent être très intéressantes. 2008, premier championnat du monde, il se déroule donc en Italie. Voilà pour les dates clés. Je vais donc vous parler aussi maintenant vaguement de l'origine du reining pour vraiment clôturer. Donc l'origine, bah, il tient son des ranchs américains de base où régnaient les cow-boys, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Pour pouvoir déplacer un troupeau au bout à bout de l'autre pays, les cow-boys ont besoin de chevaux très réactifs, dociles, rapides et calmes quand même dans leur tête. C'est-à-dire que le cheval ne doit pas avoir peur d'une vache, d'un mouton, d'une barrière ou des gestes à effectuer avec le lasso par son cavalier. Ensuite, le cheval doit être réactif, c'est-à-dire qu'au moindre claquement de doigts ou à la moindre demande, le cheval doit partir, s'arrêter, tourner, etc. Les cow-boys travaillent vraiment le cheval sur la réactivité, mais ils ont une approche du cheval qui est très respectueuse. Donc les montures doivent être forcément calmes, bien dressées. Et d'autant que comme le cavalier tient les rênes à une seule main, ils doivent être réactifs parce que c'est délicat. Pour se détendre après une rude journée de travail, les cow-boys sont amusés à s'affronter lors de joutes, à mesurer les qualités de leurs chevaux parfaitement dressés. Donc en fait, ils font des petites compétitions entre eux comme ça pour voir qui a le cheval le mieux dressé. Peu à peu, ces joutes amicales se transforment en véritable compétition. Aujourd'hui, le reining est une discipline et la discipline de western la plus connue au monde, présente lors des grandes échéances mondiales et au cœur d'une économie florissante. C'est vrai, quand je vous dis compétition de western, ce qui vient en premier, c'est le reining, ensuite c'est le barrel racing, mais le barrel, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, le reining, je vous répète, est la discipline la plus développée de l'équitation western et en plus, elle est présente aux Jeux équestres mondiaux. Ce serait d'ailleurs sympa de l'avoir aux Jeux Olympiques un jour, parce que pour moi, ceux qui montent en western ont tout autant de mérite que les cavaliers classiques. Pensez aussi que les cow-boys ont une approche très respectueuse du cheval. Ils les dressent avec amour et respect.
Sur ce, c'est la fin de cette première vidéo sur les cours western. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai adoré la tournée. Et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Après, si j'ai oublié des figures, je vous rappelle qu'on est sur SSO, qu'il faut quand même des figures réalisables. Pourquoi pas aussi en inventer quelques-unes pour les relier de suite à Star Stable. Donc voilà, je souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao!